bienvenue les amis sur la chaîne. Voici les clés de ce nouvel Audi SQ8 moteur V8 biturbo 507 chevaux. Que vaut-il sur la route? On va voir s'il respire la gaieté avec ses 4 sorties d'échappement. Allez, c'est parti, en avant les serres. Alors bien sûr, il s'agit du nouvel Audi SQ8 2024 et il y a eu quelques petits changements. On va dire qu'il s'est un peu refait le portrait aussi bien sur la face avant que sur la face arrière. On commence par les clés qui n'ont, elles, pas changé. Ce sont des clés Audi, bien sûr, siglées du logo S. Et ça ne changera pas par rapport aux phases 1 de l'Audi Q8. Alors en termes de changement esthétique, il y a eu quand même un petit travail de fait sur, bien sûr, le bouclier avant. Le bouclier arrière avec ici ces 4 sorties d'échappement. Et autant vous dire que sur cette motorisation très énervée, motorisation SQ8 V8 biturbo de 507 chevaux sous le capot, on verra ce qu'il vaut par rapport peut-être au RSQ8 qui est un peu plus puissant. Autant vous dire qu'avec le malus 2024 très salé, hein, plus 60 000 euros de malus pour ce gros véhicule, vous n'allez en voir que très peu sur nos routes, malheureusement. C'est l'un de mes SUV préférés puisque j'adore la ligne. J'adorais déjà la phase 1, mais ici la phase 2 rajoute un peu plus de sportivité. Je vais quand même rappeler les dimensions. On est quand même sur un gros bijou de 2 mètres de large. C'est assez énorme. On est au maximum de ce que peut produire l'automobile aujourd'hui en termes de dimensions. On est quand même sur un gros gabarit avec une longueur qui culmine à 5,04 m. On est quasiment sur une longueur d'une berline routière et une hauteur de toit de 1,70 m. Le tout pèse 2270 kg, autant arrondir à 2,3 tonnes sur la balance. Ça commence à faire et on verra s'il y a un impact sur le comportement routier. Alors déjà les amis, je voulais voir avec vous un petit peu qu'est-ce que vous pensez déjà de cette nouvelle calandre facelift sur ce SQ8. On a effectivement ici sur ce SQ8 un travail sur la single frame avec ici le tour chromé, hein, même un énorme tour chromé avec des grosses parties ici en aluminium. Il y a du chrome ici, il y a du plastique et puis on a aussi ces nouveaux projecteurs Matrix LED HD qui permettent justement de régler selon 3 animations différentes lorsque vous allumez le véhicule, d'avoir une animation personnalisé aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. On a aussi des grosses énormes entrées d'air ici pour refroidir le gros moteur. Gros moteur V8 4 litres qui équipe aussi le RSQ8, la RS6, la RS7. Et puis voilà, sur le côté, on voit quand même des énormes jantes et des pneumatiques de 285, 35, 23 pouces avec ces jantes optionnelles. Je vous mettrai hein, la longue liste des options puisque ce véhicule vaut à partir de 136 000 euros. Hors malus, il faudra rajouter 60 000 euros de malus. Et puis il a quand même, tout de même, plus de 20 000 euros d'options. Donc je ne vais pas m'embêter à faire le tour des options parce que la liste est très longue et vous savez, comme d'habitude, tous en cœur qu'une Audi sans option n'est pas une Audi. Allez, on continue le tour extérieur du véhicule. Mais si vous voulez les options, si vous êtes curieux, la liste des options est en description. Très belle jante, j'adore. Jante couleur biton. Et puis derrière se cachent des étriers à 6 pistons siglés S. Des étriers rouges de série sur la version S. On continue un petit peu le tour et puis on a ces rétroviseurs en aluminium typiques des motorisations S. Et moi personnellement, je ne déchromerai pas ce SQ8. Je trouve qu'il est à la fois sportif et élégant avec ses petites touches de chrome à l'avant, peut-être un peu trop à l'avant, mais l'entourage des vitres avec les vitrages arrière surteintés Privacy donne vraiment un petit côté classe élégant à ce SQ8. Que n'ont pas par exemple les RSQ8. Et là, regardez cette face arrière, regardez-moi ça. 4 sorties d'échappement avec un diffuseur, un léger diffuseur ici, surligné ici par cette grosse partie en plastique aluminium avec la petite mention SQ8 qui, elle, est en noir. Et puis ces nouveaux feux arrière qui viennent souligner le facelift. Là, vous avez vu, il y a eu un petit changement là sur l'animation. On peut le personnaliser sur 3 niveaux, je crois. Donc c'est plutôt pas mal et puis ça donne un petit coup de jeunesse à ce Q8 qui avait quand même bien vieilli, faut le dire. Un autre coup de cœur sur cette configuration, vous avez vu, elle est plaquée allemande, c'est la voiture d'essai internationale avec ici les 2 premières lettres de la ville Ingolstadt, là où est immatriculé ce SQ8. Et puis ils ont pu personnaliser un peu la plaque, regardez, SQ8, ça c'est plutôt pas mal. Ça c'est cool aussi chez nos amis allemands et nos amis belges et même nos amis anglais qui peuvent personnaliser les plaques, ça c'est vraiment pas mal. Et puis regardez-moi sous cet angle la carrure de ce SQ8 et surtout
la teinte carrosserie qui est juste magnifique. Allez, je suis gentil, je vous donne le prix de cette peinture et surtout le nom de cette peinture. Bon, je vais quand même vous faire voir rapidement l'intérieur. Hop, toujours la petite musique Urdi qui vous accueille quand vous avez laissé les feux. Et regardez, cet intérieur, bon, autant vous dire, je fais pas trop de suspense, trop de teasing. Il n'y a pas eu vraiment de changement, malheureusement. Mais regardez-moi ces jantes, elles sont énormes. Allez, je vous dis tout de suite le nom de la peinture. J'aime bien jouer avec vous, j'aime bien jouer avec vos nerfs. Mais regardez quand même, il est quand même plutôt sympa. Hein. Il en impose sur nos routes. Bon, vous allez en voir très peu. Et sachez les amis que c'est presque une exclusivité. Un essai français sur ce SQ8 aujourd'hui sur YouTube. Je vais essayer de monter la vidéo rapidement pour que vous puissiez apprécier cette nouveauté. Allez, fini le teasing, fini le suspense. Le nom de cette couleur est... Bon, je retrouve plus ma fiche. Non, je rigole. Bleu Vaitomo métallisé à 1 250 €. Et ça, c'est vraiment pas mal. Vous avez aussi, bon allez, je vous donne quelques options. Les feux arrière technologiques digital OLED à 1 150 €. Qu'est-ce qui vaut cher aussi? Vous avez bien sûr ces magnifiques jantes 23 pouces à 3 250 €. Voilà, j'arrête avec les options parce qu'il y en a pas mal. Et puis ça, ça ne verrait rien de faire 50 minutes de vidéo uniquement sur les options de cette configuration que vous allez très peu voir sur nos routes en France. Pour tous ceux qui se posent la question, ce SQ8 n'est plus une motorisation TDI diesel V6. Non, non, c'est un vrai moteur V8. On verra ça tout à l'heure sous le capot. Ce que je vous propose, c'est d'écouter la belle mélodie de ce V8 biturbo. Allez, c'est parti. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Allez, je vous propose de passer à l'avant au volant pour voir un peu les sensations de ce gros bolide énervé. Perfect. Je vous propose c'est de ressentir les émotions à bord de cette Audi SQ8. Ça commence par le démarrage. On entend la belle mélodie sur tout l'échappement qui commence à vibrer et ça c'est vraiment pas mal. On se met en mode dynamique et je vous rassure, le moteur est déjà chaud, j'ai déjà tourné avec. Ce qui est plutôt pas mal sur ce nouvel Audi Q8, c'est que vous avez les roues arrière directrices qui vont avoir deux effets. Vous êtes habitué, soit à basse vitesse, vous allez manœuvrer un peu plus simplement, c'est plutôt pas mal vu le gabarit de la bête. Et puis à haute vitesse, ça va permettre de rendre beaucoup plus agile ce gros bestiau. Allez, c'est parti. C'est pas mal, hein. Ça pousse très fort, 0 à 100 en 4,1 secondes, je tiens mes lunettes tellement elles tiennent pas. Là, ça pousse très très fort quand même, hein. C'est vraiment impressionnant. Au vu du gabarit, on est sur 2275 kg. Alors, test du comportement routier. Ouais, c'est un petit peu sourire, mais c'est joueur. Ah, en laissant les 507 chevaux, 770 Nm de couple, ce V8 respire la vie. Et on atteint bien sûr des vitesses absolument déraisonnables. Mais alors, ce qui est assez bluffant, c'est le comportement routier. Vous avez un châssis qui vire à plat. On est sur un châssis déjà surbaissé de 15 mm, soit 1,5 cm à bord de cette Audi SQ8. Mais on a aussi surtout un travail des suspensions pneumatiques, un travail de la boîte Tipronic à 8 rapports, un travail aussi de la transmission Quattro Sport qui va permettre vraiment de nous faire un châssis aux petits oignons. Et puis un freinage qui est assez consistant quand même. Alors attention, il manquera d'endurance si vous voulez faire des sessions de circuit. Mais qui va faire du circuit avec un Audi RS Q8 ou un Audi SQ8? Bah ça, je vous le demande clairement, personne. On ne sait pas du tout l'utilité. En revanche, si vous voulez vous faire plaisir sur quelques lignes droites, bien sûr, en respectant les limitations de vitesse, eh ben vous pouvez le faire.
Puis surtout, ce qui est impressionnant sur cette Audi SQ8, contrairement à la phase 1 qui était un moteur diesel, là on est sur un noble moteur V8 biturbo 507 chevaux. C'est juste bluffant le travail qui a été fait par les ingénieurs de chez Audi, d'Ingolstadt, sur la sonorité de ce V8. Il est juste... Vous pouvez également utiliser le service de reconnaissance en ligne. Veuillez accepter le contrat de licence. Ok, pas de souci. Non, ce que je disais, c'est la sonorité. Alors, je parlais pas de la sonorité de l'assistant vocal, mais la sonorité vraiment de ce V8. Allez, on se refait une petite accélération. Autant vous dire que ça donne la banane. C'est merci Audi, merci de nous avoir concocté un Audi SQ8 de cette folie. Et puis c'est une vraie sonorité, hein. C'est pas un fake exhaust ou quoi que ce soit avec des haut-parleurs dans le pare-choc ou quoi que ce soit. Non, ce sont des vrais. Je vais vous montrer ça en vidéo, mais c'est vraiment des tubes directement liés à l'arrière. Vous pouvez aussi gérer via le système multimédia si vous voulez. En fait, c'est un système de clapet ouvert ou pas ouvert, hein, clairement, on va pas se mentir. Mais je pense que voilà. Belle mélodie de ce V8, franchement, c'est ça qu'il faudra retenir de cette SQ8. Voilà, oui, il y a des points négatifs, le prix déjà, et puis surtout un gros point négatif sur ce SQ8, et ça, c'est pas de la faute de chez Audi, c'est la faute du malus de l'État français. Avec ce gros malus de 60 000 euros, autant vous dire qu'il n'est pas vendable en France. Malheureusement, cette SQ8 sera très rare sur nos routes. Pourquoi? C'est à cause de ce malus. Je vais employer des termes assez corrects, mais vous savez le fond de ma pensée sur ce malus qui détruit clairement l'automobile plaisir et détruit ce genre de SUV. Donc, cette Audi SQ8 culmine finalement le meilleur des deux mondes. C'est un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde, dans le sens où, en fonction du mode de conduite que vous sélectionnez, on peut même avoir le mode de conduite off-road, all-road, efficient, et surtout le mode confort qui va permettre de rouler sereinement, de profiter aussi de la suspension pneumatique pilotée qui permettra du coup de rendre vos longs voyages confortablement installés à bord avec des sièges qui ont un excellent maintien, mais surtout des suspensions qui cette fois-ci vont filtrer à merveille les irrégularités de la route et avoir vraiment une conduite très douce. Donc pas besoin de le brusquer, pas besoin de l'énerver, et puis on entend toujours derrière les oreilles ce petit feulement du V8 qui chatouille un peu les oreilles et qui vous pousse au crime, hein, vous pousse à activer le mode sport, le mode dynamique chez Audi. Autre avantage aussi, toujours à bord de cette SQ8 et même du Q8 en général, vous avez un travail sur l'insonorisation qui est vraiment excellent. Alors n'hésitez pas les amis à regarder, si vous voulez en savoir plus sur cette Audi SQ8, bah, lire mon article de blog et nous suivre aussi bien sûr sur les réseaux sociaux. Ah, ça c'est un peu embêtant, par contre ça c'est juste les alertes de vitesse. Alors, des fois ça capte le mauvais panneau et c'est un petit peu embêtant. Et là je suis en mode auto, donc je suis pas en mode sport. Et on va voir un petit peu si je suis un peu ballotté. Bon, non, ça vire à plat. Ça, c'est vraiment incroyable. Vu le gabarit du bestiau, 2 tonnes 3 sur la balance. Et l'auto vire à plat. Donc, il y a un vrai effort de fait. Il y a vraiment un travail énorme de fait sur le châssis, sur la motricité quattro spéciale sur ce SQ8. Motricité orientée, type sport. Et franchement, bah, ça fait des miracles pour passer quand même les 770 Nm de couple aux 4 roues. 507 chevaux, c'est juste énorme. Oh, c'est pratique, hein, pour s'insérer dans la circulation. Je pense que cet Audi SQ8 devrait être remboursé par la sécurité sociale, tellement il procure du plaisir et du bien-être. Ah ouais, et je suis pas en mode sport, hein. Je suis en mode auto. Et donc, en termes de performance, ce SQ8 affole les chronos quelque part. Alors, on n'est pas là pour faire des records de conso, mais de chronos, vous avez très bien compris pourquoi. Et bien sûr, avec ce V8 biturbo, il va atteindre les 100 km/h en à peine 4,1 secondes. C'est 3 dixièmes de plus que la version Audi RS Q8. Vous savez, la version la plus puissante de 600 chevaux. Ici, on a presque 100 chevaux de moins et surtout 20 000 euros de moins que la version la plus puissante, le RSQ8. Et autant vous dire, si je devais faire un choix entre le RSQ8 ou le SQ8,
Bah clairement, moi, mon cœur balance plus pour la version SQ8, étonnamment soit-il. Pourquoi ? Parce que franchement, on n'a pas besoin de ces 600 chevaux. 500 déjà, ça correspond vraiment à des situations de tous les jours, voire beaucoup plus. Donc, c'est déjà très bien. J'ai l'impression aussi que l'échappement du SQ8 chante mieux que le RSQ8. Donc déjà, d'une, vous allez un peu moins consommer. Je dis bien un petit peu moins parce que là, en termes de consommation, je suis sur une moyenne de 16 litres au 100 avec un plein de 650 km. C'est quand même pas énorme vu la capacité totale du réservoir de 85 litres. Donc ça fait des pleins à peu près à 150 € quand même. Si je dois encore comparer le RSQ8 avec ce SQ8, bah, je trouve que l'esthétisme du SQ8, enfin, en tout cas sur ses restylages, est beaucoup plus... Vous voyez, là ça sonne parce qu'il a repéré des panneaux de sortie à 70. Là, je suis à 80 et c'est censé être limité à 110. Vous voyez, des fois, c'est un peu embêtant quand même, les alertes de vitesse, etc., etc. Ça, c'est très intrusif. Malheureusement, les constructeurs sont obligés de le faire pour gagner des étoiles au crash Euro NCAP. Voilà, c'est la petite astuce. Bon, je reviens sur la comparaison avec le RSQ8. J'aime bien aussi sur ce SQ8, sur cette configuration. C'est à la fois ce côté sportif avec ses 4 sorties d'échappement contre 2 sur la version RSQ8. Et puis, je trouve que ces petits apports d'aluminium, ces rétros en aluminium, sur le bouclier avant ou sur le bouclier arrière, je trouve que c'est plus travaillé, ça donne plus de sport et en même temps, vous avez quand même l'entourage des vitres en aluminium qui donne aussi ce côté un peu élégant. Donc vraiment ce côté paradoxal de l'élégance sportive, si je peux la définir comme ça sur cette SQ8. Donc clairement, pour 20 000 € de moins, je prendrai le SQ8, malheureusement. SQ8 ou RSQ8, ça n'existera plus en France. Que se cache-t-il derrière ce capot moteur ? On ouvre la bête, on ouvre le cœur de la bête. Allez, c'est parti. Je me poste ici, j'arrête le véhicule. Ah, on est quand même bien tranquille à la campagne. Ça change de l'hiver parisien et urbain. Ah, puis il fait beau. Allez, j'éteins. Ok, allez, c'est bon. Alors, on va explorer la bête. C'est parti. Hop. Et on va voir... Regardez quand même ce beau ciel, ce coucher de soleil magnifique avec ce SUV magnifique, cette couleur magnifique. Bref, tout est beau dans le meilleur des mondes quand tu roules en Audi. Bon, on va regarder justement ce meilleur des mondes. Qu'est-ce qu'il procure ? Eh bien, on va ouvrir le cœur de la bête. Moteur V8 4 litres. TFSI, c'est écrit ici. C'est le même moteur V8 que le Lamborghini Urus, que le Porsche Cayenne Turbo. C'est un moteur V8 biturbo qui développe ici la bagatelle de 507 chevaux. 507 chevaux dans ce SQ8. C'est moins, certes, que le RSQ8, mais c'est déjà pas mal pour se faire plaisir. Alors, un cache moteur un peu plastifié, c'est un petit peu dommage. On a quand même la mention V8, le logo Audi, ici en relief, et puis deux petits liserés rouges qui donnent un peu de muscle à ce cache moteur. V8 biturbo, et oui, avec un couple camionnesque de 770 Nm de couple disponible dès 2000 tours minute. Et la puissance, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, 507 chevaux disponibles à partir de 5500 tours minute. Voilà la bête. On dirait que ce gros moteur, ce bloc moteur V8 a été vraiment rentré au chausse-pied. Un moteur associé à la boîte automatique Tiptronic 8 rapports. Hop, attention aux oreilles. Une boîte de vitesse à convertisseur hydraulique qui permettra d'encaisser l'énorme couple de ce SQ8 et de ce moteur. Regardez-moi ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est ça. C'est l'ouverture des portes sans encadrement, que ce soit à l'avant et à l'arrière. En revanche, il n'y a pas de soft close. Et non, regardez, elle ne se ferme pas toute seule. Ça, c'est un petit peu dommage pour ce type de véhicule et surtout ce type de prix. Alors moi, ce que j'aime bien au quotidien, c'est ça. Écoutez. Et en dessous du châssis, on peut voir qu'effectivement, c'est une vraie sortie d'échappement. On le voit ici, regardez. Et puis, lorsque vous allez encore en dessous,
vous voyez les tubes et vous voyez derrière le système différentiel quattro, excellente motricité avec un châssis 4 roues motrices bien sûr. Et allez, regardez, je regarde en dessous, ils ont renforcé le châssis en dessous, ça c'est assez incroyable. On va passer de ce côté là, vous avez vu comment c'est, il est immense et surtout disproportionné là dans cette configuration all-road. Châssis super surélevé et plus du tout sportif ce SQ8. Alors de là à faire du off-road et du franchissement, je pense pas. Enfin, dites-moi un petit peu si vous êtes chaud de faire du franchissement avec un Audi SQ8. J'aurais plutôt tenté de partir sur un Range Rover, plus expert en la matière sur la partie off-road et franchissement. Et regardez en dessous, on a quand même un châssis qui est super bien travaillé. Ah ouais, c'est beau. C'est vraiment beau en dessous. Je sais pas si vous avez l'habitude de voir un Audi SQ8 en dessous. Malheureusement, j'ai pas de pont pour vous soulever. Bon, la bête fait quand même 2,3 tonnes sur la balance, donc il faut avoir un pont assez conséquent. Et regardez en dessous du moteur. Vous avez bien sûr un cache moteur. Vous avez ici les trains roulants spécifiques. Voilà, je peux pas aller en dessous encore. J'espère que ça vous a plu, cette petite inspection en dessous du châssis. Bon, c'est pas tous les jours qu'on voit un châssis comme ça. Ah, ça c'est beau ça. Bon, dommage qu'il y ait le limiteur à 4000 tours minute, mais sinon sans ça, la mélodie est belle. Ah, on est quand même bien accueilli chez Audi, hein. C'est la technologie, le luxe et surtout la sportivité qui prime à bord de cette Audi SQ8. Réglage du volant électriquement, profondeur et en hauteur qui s'ajuste selon votre réglage préconfiguré ici sur cette partie-là. Et puis voilà quand même, bon, c'est vrai que ça respire pas, on va dire, la nouveauté. On connaît cet intérieur, on l'a vu et revu, mais je m'en lasse pas. Dommage qu'il n'ait pas changé le volant et surtout l'intérieur change très peu sur cette version reliftée. Vous pouvez quand même profiter du confort à bord et pour cela, je vous invite fortement à sélectionner le mode de conduite confort. Et là, vous allez avoir les suspensions pneumatiques qui vont relever le châssis. Et vous allez vraiment évoluer dans un confort absolument parfait. Regardez, là, j'évolue sur des routes pavées. Franchement, dans n'importe quelle autre voiture, la voiture aurait vibré de partout. Ici, on évolue sereinement avec la nature. Donc, comme quoi, il a plusieurs casquettes, hein, cet Audi SQ8. Il peut se transformer vraiment en véritable diable si vous... Alors là, j'ai l'arrêt de vitesse qui s'allume. Hop, ça c'est un peu intrusif maintenant, les arrêts de vitesse. Alors je crois que tu as un accès directement où là tu peux paramétrer. Alors on va l'enlever tout de suite parce qu'il est énervant. Alors je dis énervant, pourquoi? Parce que des fois, il détecte des panneaux qui n'ont strictement rien à voir avec le code de la route. Hop, à l'aide de alerte de survitesse panneau, ça je l'enlève. Malheureusement, c'est présent dans toutes les voitures et ça c'est un petit peu embêtant. Je disais que cette Audi SQ8 coche plusieurs casquettes, à la fois un véhicule énervé, sportif, alors pas forcément genre de véhicule que vous allez ramener sur circuit, mais c'est vrai que voilà, vous voulez vous faire plaisir, vous appuyez un petit coup, ça part. Voilà, c'est fait, et là on va rester calme. L'autre casquette, c'est de rouler dans un SUV confort, de luxe. Et surtout bien insonorisé, hein. Je vous ai montré aussi tout à l'heure le double vitrage avant et arrière qui participe à cette belle insonorisation qui permettra aussi de profiter de la sono avec un caisson de basse qui résonne dans le coffre. Et ça permet justement de profiter aussi de la technologie embarquée à bord de ce véhicule. Mais voilà, c'est vrai qu'on pourra lui reprocher de très faibles évolutions sur ce facelift. Et puis la seule évolution, c'est la partie multimédia et notamment la partie signature lumineuse sur les projecteurs matrice LED avant et arrière avec une technologie OLED pour gérer et personnaliser entre guillemets l'affichage des projecteurs. Alors, coffre, grand coffre pour ce SUV coupé de luxe. On aura la chance d'avoir à peu près 610 litres de volume de chargement. Et si vous abaissez la banquette arrière, vous allez pouvoir atteindre 1755 litres
plus précisément, voilà, vous avez des petites LED ici sur le côté qui permettra d'y voir un peu plus clair de nuit. Et puis un rideau ici automatique qui se ferme et se ouvre en fonction de l'ouverture du coffre. Ici, vous pouvez même abaisser en dessous le châssis, ça donnera un seuil de chargement un peu plus bas. Un seuil de chargement ici qui est protégé par cette partie en aluminium qui évitera de rayer la caisse et surtout le coffre et surtout les plastiques. Très peu de plastique dur et finalement dans le coffre, vous avez beaucoup de feutrines. Ça, c'est vraiment aussi un gage de premium et de luxe. Vous avez aussi la possibilité de ranger pas grand chose en dessous de cette planche. Il n'y a plus de roue de secours ici et surtout, vous avez un kit de anti-crevaison avec un compresseur. Et puis, sur cette partie-là, vous avez le subwoofer compris dans cette Sono Bang & Olufsen. Fermeture du coffre électriquement. Et moi, ce que je vous propose, c'est de passer à l'arrière rapidement. À l'arrière, déjà, ça commence par ces grandes vitres avec aussi ce toit dynamique fuyant, coupé, qui va être un peu moins accessible qu'un Audi Q7, certes, mais beaucoup plus élégant, avec ici un entourage de vitres chromé, non même pas chromé, c'est de l'aluminium, et je trouve que ça rend super bien. Moi, je trouve qu'il est à la fois élégant et sportif, ce SQ8, j'adore. Place arrière, vous avez déjà pas d'entourage de vitres, ça c'est très bien, et puis surtout, vous avez un vitrage doublé qui permet de profiter des voyages avec une très bonne insonorisation. Franchement, c'est vraiment très quali. Vous voyez déjà la taille des portes et surtout la lourdeur des portes. Vous sentez qu'on est quand même sur quelque chose d'assez lourd. Ici, vous avez aussi les rideaux qui permettront de pas être trop ensoleillé à l'intérieur de l'habitacle. Un habitacle fait de cuir, de surpiqûres, de croisillons, des sièges à la fois chauffants et ventilés, puisque vous avez une multitude de réglages ici sur cet écran qui permettra de régler la ventilation, la clim, les sièges chauffants, etc., etc. Vous avez aussi la possibilité de varier les sièges et surtout l'espace à bord des passagers arrière avec deux banquettes coulissantes sur cette partie-là et sur le siège individuel au fond. Ça, c'est plutôt pas mal. Et en termes de qualité de fabrication, déjà sur les portes arrière, on est sur du plastique un peu dur quand même. C'est un petit peu dommage sur cette partie-là. Sono Bang & Olufsen. Et puis sur la partie haute, on est quand même sur du premium. On a des accoudoirs en cuir. On a des petits rangements ici avec... Vous avez un travail sur le ralentisseur. Ça, c'est beau. Vous avez bien sûr les boutons pour ouvrir et fermer les vitres, mais surtout un bouton pour, hop, gérer. Regardez, je peux gérer sur cette partie-là l'ouverture de l'autre côté du rideau. Ça, c'est aussi classe. Pareil, vous avez des éléments en cuir. Ici, des inserts en carbone, une poignée en alu. Ouais, ça respire vraiment la qualité et le luxe. Puis pareil, hein, vous avez de la feutrine un peu partout, vous avez de la moquette aussi partout, mais on sent que voilà, c'est bien travaillé dans le détail. Vous avez des petits rangements, vous avez des sièges creusés, vous allez pouvoir aussi voir cet habitat qui n'a pas forcément changé hein, sur cette phase 2. Et puis, voilà, des sièges très confortables avec aussi la possibilité de les régler et de les rabattre avec cette petite molette. Des sièges qui seront un peu moins confortables, surtout sur la place du milieu. Les deux autres seront confortablement installés, en tout cas avec ces sièges creusés et surtout une bonne assise bien moelleuse, mais un peu ferme aussi, donc c'est un bon compromis. Vous allez aussi pouvoir transformer la place du milieu, qui est un peu étroite, en accoudoir pour rendre un peu plus confortable vos longs trajets à bord de cette Audi Q8, pas n'importe lequel, le plus puissant du moment. Bon, et à l'avant, bah, qu'est-ce que ça donne? Bon, déjà, vous avez la petite indication ici, Audi SQ8 TFSI Quattro, technologie Quattro. Vous allez voir qu'en termes de comportement routier, c'est assez bluffant les exploits qu'il peut faire avec un poids quand même de 2300 kg. Qu'est-ce qu'elle a, madame? Qu'est-ce qu'elle a? Oui, qu'est-ce que t'as? Bon, on va couper le moteur, ça sert à rien de réchauffer la planète pour rien. Voilà, bon, un intérieur de qualité, vous le voyez avec ces sièges en cuir, des sièges sport siglés du logo S. On est sur quelque chose de premium luxe. Malheureusement, vous avez pu voir que sur cette configuration, on n'a pas le toit ouvrant panoramique et ça donne un côté un petit peu tristonné. On a quand même des éléments sportifs. Malheureusement, on n'a pas le volant à méplat ici. On est sur un volant entre guillemets classique, siglé quand même de la petite lettre S. Et sinon, vous avez quelques touches d'insert de carbone, d'alcantara sur les contreportes, une planche en cuir étendue. Bon, ça frise quand même le premium
premium, voire le luxe à bord de ce SQ8 nouvelle génération. Facelift, quelque part, c'est pas le nouveau Audi Q8. En revanche, malheureusement, vous avez quand même des intérieurs de portières ici en plastique. Vous avez aussi, alors là on est quand même sur un petit plastique légèrement moussé sur cette partie-là. Vous avez une Sono Bang & Olufsen comprise dans cette motorisation SQ8 qui est vraiment de qualité. C'est pas pour moi la meilleure, mais en termes de ressenti quand même, on a une très bonne granularité et une transmission du son qui est vraiment assez intéressante à l'intérieur. Et puis comme d'habitude sur un Q8, pas de surprise, vous avez aussi pas d'entour, vous n'avez pas d'entourage de vitres à l'avant, vous avez un double vitrage qui permettra aussi de participer au confort des tympans malgré le petit feulement du moteur V8. Donc franchement, en termes d'insonorisation, c'est le top. Alors ce que je vais faire, je sais pas pourquoi il... Qu'est-ce qu'il y a ? Propulsion activée, veuillez couper le contact. Bon bref, je n'ai pas trop compris pourquoi. Je vais activer le mode de conduite off-road juste pour surélever le châssis. Ok. Voilà. Off-road. Il y a un mode all-road, efficient, confort, auto, dynamique, individuel. Bon, le mode individuel, allez, on le fait ensemble, mais vous pouvez gérer la propulsion, la suspension, le confort, ou plutôt la sportivité, la direction, pareil, le son moteur, marquant, ça c'est plutôt pas mal aussi, sur cette motorisation V8 turbo, biturbo, et là ça y est, la suspension s'active, on relève, donc c'est une suspension pneumatique, vous voyez, là la garde au sol est surélevée, on doit gagner au moins 10 ou 15 cm. Les petits tests de claquage de porte. Ah, on est plutôt pas mal. Dommage, on n'a pas le soft close. C'est encore une option à bord de cet outil SQ8. Alors, si je démarre, si je fais un peu le ménage, parce qu'avec ces traces de doigts, on voit partout, mais ça se règle facilement. Voilà. On désactive la clim. Hop, voilà. Moi, j'aime bien aussi faire le ménage. J'aime bien quand c'est propre, quand je présente mes voitures. Bon, c'est pas ma voiture, bien sûr. Voilà. Bon, écoutez. Oui, vous allez me dire, Flo, qu'est-ce qui a changé sur cette phase 2? Bah écoutez, très peu de choses. En termes de design, il n'y a rien qui a été changé. On aura peut-être une nouvelle interface sur une nouvelle vue ici. Voilà, alors celle qui est reprise, je crois, sur les véhicules électriques. On aura cette vue avec cette petite jauge en forme de L qui reprend un peu le même symbole que la carrosserie, hein, d'ailleurs. Et puis en termes d'infodivertissement, je crois qu'il y a eu quelques nouveaux menus qui ont été mis au goût du jour. Vous avez notamment effectivement la possibilité de régler du coup la signature lumineuse numérique sur les projecteurs avant et arrière avec au total 4 designs différents, vous allez voir, donc le numéro 4, le numéro 3, le numéro 2 et le light design, vous confirmez. À la fermeture du véhicule, vous avez une belle animation lumineuse de nuit qui rend vraiment ce SQ8 technologique comme on les aime. Mais sinon, sans ça, ça va être un peu la déception. Vous avez très peu de changements. Heureusement, ils ont quand même conservé ici ce levier de vitesse qui est vraiment de qualité. Bon, on est quand même sur un assemblage parfait, des matériaux absolument magnifiques qui subliment cette Audi Q8 SQ8. Malheureusement, le volant, je précise, mais... Ah, pour moi, il faudrait changer de volant. On a un petit peu marre. Ça fait presque 10 ans qu'on les voit sur les Audi. Donc, c'est vrai que ça serait bien que Audi change un peu le design de ses volants. Et puis, voilà, petite fausse note, c'est ici ces palettes en plastique dur, bon, qui ne sonnent pas forcément la qualité. Voilà. Ce que je vous propose, les amis, bah, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de cet intérieur. Déception ou simple petite évolution et encore. Alors, dites-moi un petit peu si vous êtes un peu déçu des évolutions stylistiques à l'intérieur ou finalement, Audi est toujours à la page avec cet intérieur. C'est vrai qu'il respire à la fois la technologie. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en bas, dans les commentaires. Voilà, le soleil se couche. Il est donc l'heure de vous dire au revoir et merci d'avoir regardé cet essai jusqu'au bout. J'espère en tout cas que vous avez apprécié l'essai. Si c'est le cas, bien sûr, qu'est-ce que vous faites ? Eh oui, le petit pouce levé vers le haut, bien sûr, pour un peu de force et de visibilité pour la chaîne, ça c'est plutôt cool, merci par avance. Et surtout, si tu n'es pas encore abonné, malheureux, abonne-toi tout de suite à la chaîne Vlog Cars Passion en activant la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos sur la chaîne. Voilà, je te dis à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo. Ciao, ciao les amis.